Charleston. Mes chers amis, je vais vous présenter quelques livres, bouquins, écrits par David Abbassi. Depuis déjà environ 30 ans, nous avons essayé de lancer la laïcité, de défendre liberté, égalité, fraternité, avoir une vision critique envers pouvoir ou religion. C'est pour ça que j'ai inventé le mot islam politique il y a 35 ans. Et le premier livre, en pour dire deuxième, que j'ai fait en français, c'était Le secret de l'islam. Le secret de l'islam, c'est une partie de mon mémoire d'Omitra à Mahomet. C'était par où? En persan, en iranien. C'était mon mémoire, on peut dire, quand j'étais à l'université à Beyrouth. Alors en France, j'ai mis Le secret de l'islam et on l'a publié avec un petit changement dedans, on peut dire. Surtout qu'ici, on parle sur beaucoup de sujets tabous concernant l'islam. Beaucoup de choses que nous n'avons jamais entendues. La création de l'islam, comment est-ce qu'il était, et cette création, comment elle a été continuée jusqu'à aujourd'hui, on peut dire, et surtout certaines choses qui étaient dès le départ fondées par le prophète de l'islam lui-même. Parmi, c'est des actes terroristes, c'est-à-dire éliminer quelqu'un par un acte en cachette, en dit terror. C'était fait et ordonné pour la première fois par le prophète de l'islam lui-même, il y a déjà 14 siècles. Panoramique, en 1987, m'a commandé un article. Et en 2000, je les ai donné l'article, enfin, je l'ai donné le lendemain, puisque je l'ai fait sortir dans le bouquin. Mais on ils ont réservé cette parution, cet article de David Abbassi, pour leur publication de l'année 2000, de l'an 2000. L'islam est-il rebelle à la libre critique? C'était le titre de Panoramique et mon article dedans, l'origine du terror en islam politique. Et là-dedans, je donne des explications sur comment le prophète de l'islam lui-même a ordonné de tuer les opposants qui étaient des poètes, des militaires et des gens normaux. Et tout ça, c'est, vous avez des explications dedans, y compris explications concernant le verset satanique. Parce que le verset satanique, pour la première fois, c'est moi que j'ai évoqué, il y a en 1981, dans mon livre En Persan. Et après, je l'ai cité ici, Le secret de l'islam, 10 ans avant que Salman Rushdie écrit son histoire. Enfin, c'est un scénario, lui, il a écrit. Je crois de ne pas être d'accord avec le scénario de Salman Rushdie, qui a emprunté de moi le verset satanique. Comme j'en parle, je dis que ça, c'est existe. Exactement dans le Coran, c'est quoi le verset satanique? C'est le prophète de l'islam, même j'ai cité le verset, vous voyez, c'est un verset de Coran. En arabe aussi je l'ai cité. Alors ici je parle de ce verset satanique, comme quoi le prophète de l'islam est en train de négocier avec les chefs de tribu, et il dit au chef, écoutez, répétez ce que tu aussi. Il faut être gentil, on va les accepter, mais le petit Dieu et la mienne, c'est le Dieu le plus grand, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça veut dire, mon Dieu, il est le plus grand. Il accepte en même temps le plus petit, parce que quand tu dis Allahu Akbar, ça veut dire, il est le plus grand, il accepte le plus petit. Après quelques jours, il retire cette parole, suite au conseil qu'on va le donner, et il dit, non, c'était une parole de la part du diable, qui l'a mis dans ma bouche, et le Dieu, il l'a retiré. Mais il a oublié de retirer le slogan Allahu Akbar qui existe jusqu'à aujourd'hui. Allahu Akbar, ça veut dire le Dieu est le plus grand. Allah, il est le plus grand, c'est-à-dire les dieux les plus petits existent. Il veut dire Allahu Kabir, le Dieu est grand. Quand il dit le grand, il est grand. Et quand il dit le plus grand, c'est-à-dire le plus petit, existe. Mais c'est satanique, ça existe dans le Coran, et ça existe dans le Coran. Mes chers amis, c'est une émission très très courte pour vous présenter mes livres. Alors, pour commander, vous pouvez aller sur notre site davidabbassi.com. Davidabbassi.com attaché. Et Abbassi, n'oubliez pas, avec deux B, mais un seul H. À très bientôt.
culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com, Abassi, A-B-A-S-I. خانوم غزل خانوم جعبه توت تر خانوم